Salam alaikum les gens. Aujourd'hui les gens, je parle avec vous pour un sujet très important. Aujourd'hui les gens, on va parler pour l'imam Mahdi. Notre sujet pour cette vidéo, ça va être de l'imam Mahdi est déjà fait subi, aussi sa communauté il va faire subi. C'est-à-dire les gens, comme l'imam Mahdi est déjà fait souffrir, aussi sa communauté il va faire souffrir par Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est Dieu, il va occuper d'eux. On sait que Dieu pour l'occupe et pour l'occupe pour des personnes, c'est pour l'éternité. Parce que pourquoi c'est pour l'éternité? Parce que le temps de Dieu, c'est pas le temps de nous, on est déjà créé. C'est tout pour vous savoir. Bon, bref. Parce que les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de. Parce que j'explique pour vous un truc, ce que il touche une seule personne, il touche plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, parce que j'entends cet mot beaucoup de personnes elles répètent cet mot. Il y a beaucoup de personnes elles disent on est tous pareils. Non, vous déjà trompez de rêve les gens. Parce que pourquoi? Devant Dieu on n'est pas tous pareils. Devant Dieu on n'est pas tous pareils. C'est-à-dire pour vous un star, à même personne il passe dans le télé, dans le média, pour vous, putain, c'est un truc extraordinaire, pour vous, c'est un personne connu, c'est un personne dans le problème en couronne, mais cette personne vaut déjà dans lui tout, lui devant Dieu, pour lui, il n'y a aucune valeur devant Dieu, parce que pourquoi? Ça va un truc, les personnes pour eux, il y a des valeurs devant Dieu, c'est les personnes qui travaillent pour Dieu. Par exemple, l'imam Mahdi, par exemple, Saint Jean, par exemple, des prophètes et des saints. C'est-à-dire, les personnes pour eux, il y a des valeurs devant Dieu, c'est les personnes et ils font leur mission. Leur mission, et c'est-à-dire, et les personnes qui souffrent pour Dieu. Qui souffrent pour Dieu. Hein? Parce que j'explique pour vous un truc. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens, pour la fin des temps. Et crois-moi, les gens. Il y a beaucoup de gens pour la fin des temps, ils vont comprendre des choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens pour la fin des temps, ils vont comprendre pour quel clan appartient. Parce que, c'est-à-dire les gens appartiennent pour le groupe de l'imam Mahdi, la communauté de l'imam Mahdi, ils vont reconnaître ce qu'est leur guide. Parce que j'explique pour vous un truc. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui perdent, ils trouvent à zéro leur projet, ils tombent. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent dans des situations difficiles. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent dans la rue. Il y a beaucoup de personnes, il fait frapper. Savent, votre guide est déjà fait subir ça. Ils savent, pour vous, ça va être pour l'éternité. Ça, c'est que le début. J'ai déjà expliqué pour vous. Le temps de Dieu, c'est pas le temps de nous. C'est ça que j'explique pour vous. Un an de nous, c'est 1000 ans pour Dieu. C'est tout pour vous savoir les gens. Parce que je sais vous comment travaille votre cerveau. Le temps de Dieu, c'est comme le temps de nous. Non, c'est pas les mêmes choses. C'est ça pourquoi l'enfer, ça va être pour l'éternité. Ça va être aucun fin. Ah oui. Parce que les gens, j'explique pour vous un truc. La communauté appartient pour l'imam Mahdi. Vous, l'imam Mahdi, apparemment l'imam Mahdi déjà passe pour vous des messages. Les messages de l'imam Mahdi, vous ne pas prendre sérieux. C'est-à-dire, vous ne pas prendre sérieux l'imam Mahdi. Vous déjà fait et vous déjà regardez l'imam Mahdi. Il fait défoncer, vous, pas bouge pour lui. Parce que pourquoi? Pour votre tête, vous déjà. Parce que ça, c'est la mentalité d'aujourd'hui. La mentalité d'aujourd'hui. Pour vous, voir une personne, il souffre, vous dites, non, je rentre pas, j'ai pas envie de problèmes. Et lui, il souffre, c'est pas moi. Non, je bouge pas pour lui. C'est pas ma vie. Non, je bouge pas pour lui. Pour l'instant, c'est pas moi, je fais rien. C'est-à-dire, le jour avait pour moi, après, je bouge. Maintenant, pour lui, je bouge pas. C'est là, les gens vous déjà fait niquer. Vous déjà regardez une personne, il souffre, mais c'est pas n'importe qui. Ah oui, c'est pas n'importe qui. C'est votre guide. C'est votre guide, vous pas prendre sérieux. C'est votre guide, vous déjà rejette lui. C'est votre guide, vous déjà
pas prendre la défense de lui. C'est votre guide, vous, pas Edloui. Hein? C'est votre guide. C'est votre guide, vous, pas protéger. Bah oui, les gens. Bah oui, les gens. Parce que les gens, j'explique pour vous un truc. Parce que Dieu, pour la fin des temps, Dieu est déjà pour certaines communautés. Dieu est déjà donc pour eux. Dieu est déjà donc pour eux une mission ou des missions pour faire pour la fin des temps. Eux, il n'est pas fait. C'est-à-dire, déjà, ils n'ont déjà pas fait leur mission, pas fait leur démission, mais déjà, le plaisir est déjà à gogo. La totale de plaisir, c'est la totale. Mais, une seule mission, parce que pour une seule communauté, pour eux, il y a plusieurs missions qu'il fait pour la fin des temps. Mais pour la première mission, il n'est pas fait. La communauté de l'imam Mahdi. C'est ça que j'explique pour vous. C'est tout pour vous savoir, pourquoi maintenant vous ciblez ça? Parce que beaucoup de personnes maintenant disent, on a besoin de rester calme, on a besoin de rester tranquille, on n'a pas besoin des problèmes. Eh les gens, et ça c'est que le début. Ça c'est que le début. Vous commencez maintenant à voir le volcan commence à réveiller, le magma il commence à sortir. Ça rappelle des trucs, ça rappelle quoi? Ça rappelle l'enfer, il installe les gens. Ah, l'enfer, il installe pour tous les pays. Pour tous les pays, on voit. Ça pue l'enfer, les gens. Ça pue l'enfer, il commence à installer. Ah, l'air, il est vraiment noir. Hein? On se sent pas bien. Il y a des activités on fait. Parce que pourquoi? Parce qu'en enfer, il n'y a pas de plaisir. L'enfer, il n'y a que de souffrance. Il n'y a que la malheur. Il n'y a que des malédictions. Dans l'enfer, les gens. Hein? Les gens, vous pas fait votre mission. Dieu déjà envoyé pour vous. L'imam Mahdi. Le guide suprême pour vous. Pour vous. Et guide vous. Pour expliquer pour vous. Quelle mission. Quelle chose on fait. Quelle mission Dieu demande pour vous. Vous pas prendre lui sérieux. Hein? Vous déjà prendre lui pour un personne. Pour sur lui à la poisse. Pour un personne sur lui, il y a des malédictions. Pour un personne sur lui, il y a le la'na. Un personne est fait frapper par Dieu, etc., etc. C'est-à-dire, c'est vous déjà là. Vous déjà prendre pour des personnes, des savants. Vous savez, aux yeux de Dieu, vous êtes que la merde. Parce que pourquoi? Parce que pour on pas fait notre travail, après, aux yeux de Dieu, on vient que la merde. C'est ça que j'explique pour vous. Ah oui, c'est ça que j'explique pour vous. Dieu a déjà créé pour nous, pour cette terre, pour un travail pour Dieu, pour on fait des missions, pour on fait des stages, pour on montre pour Dieu, on est d'effort. Mais c'est pas les mêmes choses. Ça va un truc les gens, pour les mêmes Mahdi, il va perdre rien, parce que les mêmes Mahdi, Son travail est déjà fait lui seul. Aucune personne pour sa communauté à côté de lui pour être lui seul. Et lui seul a déjà fait son travail d'enfant de ses amis. Et pour vous, rien du tout. Vous occupez votre vie privée, votre vie personnelle, pas de problème, etc., etc. Ça va un truc les gens. Ça va un truc. Vous comprendre pour la fin des temps. Vous comprendre. C'est que il touche les Mahdi. Il va aussi sa communauté. Il va faire toucher. Il y aura encore 100 fois pire les gens. 100 fois pire. Aussi on va parler pour Saint Jean. Saint Jean, j'ai déjà fait avec lui un terrain. On est déjà parlé pour Saint Jean. J'ai déjà parlé avec lui Saint Jean. Il a déjà fait l'hôpital cicatrice. Il déjà rentre dans l'hôpital cicatrice force. Maintenant, il force lui pour lui prendre des médicaments obligatoires pour lui. Hein? Présent. Il a déjà fait le présent. Il a déjà fait le présent. Il a déjà fait défoncer. Hein? Il a déjà fait défoncer. Sa communauté est déjà promue pour un fou. Sa communauté est déjà promue pour un malade mental.
sa communauté est déjà prônée pour un cassos. Pour un personne, il prend pas soin de lui. Ça fait un truc. Ça fait un truc, les gens. Saint Jean a déjà subi ça. Mais la délivrance, Dieu va faire et il va faire la délivrance pour lui. Mais ça, pour vous, ça va être pas les mêmes choses. Pour vous, ça va être pour vous pour l'éternité. Ça va être pour vous pour l'éternité. Parce que pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous ne prenez pas sérieux mes messages. Pour j'ai dit pour vous, ce qu'il touche une seule personne, il touche d'autres personnes. Il touche plusieurs personnes. Vous pas croire ça. Mais il y a des gens pour la fin des temps, ils vont croire ça. Ils vont croire ça. Parce que pourquoi? Parce que Dieu, pour la fin des temps, il va montrer pour eux. Il va montrer pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il va découvrir pour la fin des temps, c'est qui Saint Jean? C'est qui l'imam Mahdi? Et c'est qui d'autres Mahdi? Mais ça va être mal. Il y a les gens, ils vont pleurer pour la fin des temps. Mais on pleure, ça ne sert à rien. Parce que Dieu, pour la fin des temps, ça va être encapuché pour vous, les gens. Ça va être encapuché. Parce que Dieu, il déjà donne pour vous des chances, et des chances, et des chances, et des chances, et des chances. Vous, pas fait. Parce que pourquoi Dieu est déjà récarné pour nous pour la fin des temps? Pourquoi Dieu est déjà récarné pour nous pour plusieurs fois? Parce que Dieu, il sait c'est quoi l'enfer. Dieu, il sait c'est quoi la souffrance. Parce que Dieu est déjà donc pour vous plusieurs chances, pour vous repentir, pour vos fils en mission, pour vous prendre les prophètes sérieux, pour vous prendre les guides sérieux, pour vous prendre les messagers sérieux, pour donc pour vous des messages sérieux. Parce que Dieu, ils savent l'enfer. Ils savent l'enfer, les gens. Ils savent l'enfer. Dieu, ils savent l'enfer, c'est quoi l'enfer? C'est quoi on subit pour l'éternité? Parce que les gens, j'explique pour vous un truc. Parce que la patate, pour l'instant, elle n'est pas arrivée pour vous. C'est-à-dire la patate de Dieu. La patate de Dieu. Parce que vous déjà regardez, parce que l'imam Mahdi, votre guide pour la communauté de l'imam Mahdi déjà parle avec vous. Et déjà passe ses messages. Saint Jean, il déjà parle avec sa communauté. Il déjà passe des messages. Mais il n'y a personne déjà promis, c'est rien. Parce que pourquoi? Parce que pour l'instant, les gens, il n'y a rien pour l'instant pour eux. Il n'y a rien arrivé pour eux. Mais attends un petit peu. L'enfer, c'est aucun fin. L'enfer, ça va être pour l'éternité. C'est-à-dire pour Dieu maintenant, pour Dieu, il y a le temps pour Dieu. Il y a le temps. J'ai dit pour vous. Profitez maintenant bien. Parce que vous, maintenant, commencez à profiter. Profitez maximum, il n'y a pas de problème. Mais ça, l'enfer. L'enfer, ça va être chaud, les gens. L'enfer, ça va être chaud. Il y a beaucoup de gens maintenant, ils commencent à comprendre, c'est la fin des temps. Il y a beaucoup de gens maintenant, ils commencent à comprendre. Il y a des choses pas claires, ils commencent à installer. L'air, ça va pas. Il y a des problèmes qui commencent à arriver. Il y a un manque de l'argent. Il y a des projets qui tombent. Parce que pourquoi? Parce que maintenant, c'est votre tour, les gens. C'est votre tour. Votre tour, maintenant, ça commence. Les gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, on va vivre la tribulation, après c'est bon, après on va se retrouver tranquille. Non, ça marche pas comme ça avec Dieu. Ça marche pas comme ça avec Dieu, les gens. Pour on rentre en enfer, on sort pas. Parce que c'est ça, les gens, et j'explique pour vous. Parce que l'heure de vous, c'est pas l'heure de Dieu. L'heure de l'enfer, c'est pas l'heure de vous, les gens. Et c'est ça, j'explique pour vous. Parce que beaucoup de gens, maintenant, ils rigolent pour parler par l'enfer. Parce que pourquoi? Parce que vous ne savez pas la vraie l'enfer, c'est quoi? On repose pas, les gens. On repose pas. On est 24 sur 24, debout. On boit pas, on mange pas, on attend notre tour avec les démons. On passe
avec pour plusieurs démons. Ah oui, les gens, pour plusieurs démons. Pour chaque péché, il y a un démon spécial pour toi, il va occuper de toi. C'est ça que j'explique pour vous. Parce que les gens, Dieu déjà donne pour vous des chances. Pour la fin, c'est chaud parce que moi, si je parle, je flippe. Je flippe. Si tout je parle pour l'enfer, je vois pas l'enfer. C'est-à-dire, j'ai pas de vision pour l'enfer. Mais je flippe parce que je sais. Et je sais dans l'enfer, les démons, pour nous, ils ont capitché. Et ils ont capitché. Dans l'enfer, les démons, c'est pas notre frère, non. On est frère devant Dieu, non. Parce que c'est des démons spéciaux pour nous. C'est ça que j'explique pour vous. Pourquoi votre guide, l'imam Mahdi, il fait fracasser encore plus. Il cherche pour ça vous. Parce qu'il sait. Il sait vous. Vous savez plus quoi. Vous savez plus quoi, les gens. Les gens, j'ai donc pour vous un petit exemple. Après, j'arrête avec vous cette vidéo. Le nerf, pour il pète. Les nerfs dans le cerveau. Pour il pète. Il y a des conséquences sur le corps. Les nerfs pour il pète. On vient handicapé. On est capable de mourir. On est capable de souffrir. Savent le nerf de le cerveau. Savent le nerf s'il est même maladie. Il est même maladie. Il déjà fait défoncer. Il déjà fait fracasser. Il déjà fait péter. Maintenant, ça va être les conséquences sur le corps. C'est ça que j'explique pour vous. Dans le centre, dans le corps, le nerf pour il fait frapper, il fait fracasser. C'est-à-dire, il y a des conséquences sur le corps. Et ça fait des conséquences sur la population de l'imam Mahdi, la communauté de l'imam Mahdi. Vous va voir. Le travail, vous ne l'avez pas fait. Vous, on va faire force. Mais ça va être dans l'enfer. C'est ça que j'explique pour vous. Le travail, la mission, on va faire. La mission, vous, on va faire. C'est-à-dire, on va pas se kiffer. C'est pas parce qu'on va rentrer dans l'enfer, on va pas faire la mission. On va faire la mission. Mais ça va être chaud patate. Ça va être, on va pas reposer. On va tout le temps debout. Les gens, ça sert à rien maintenant qu'on continue parle pour Dieu, pour dormir Dieu, pour passeport d'INIA, pour passeport pour des personnes pieux. Ça sert à rien maintenant. Parce que c'est bon. L'OTAN est déjà passé. C'est-à-dire l'OTAN pour repentir est déjà passé. C'est-à-dire maintenant, il y a beaucoup de personnes qui disent on va repentir. Non. Parce que c'est bon, maintenant c'est votre tour. Et vous va repentir. Ça c'est juste pour vous la certitude. Vous va repentir, mais vous va repentir avec les démons. Les démons dans l'enfer. C'est ça que j'explique pour vous. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui commencent à perdre la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, pour certains, elle commence à disparaître. Disparaître pour la lumière de Dieu. Elle commence à trouver dans la souffrance. Dieu, il ne répond pas eux pour leur prière. Et il y a beaucoup de personnes maintenant, ils demandent Dieu, mais il n'y a rien arrivé pour eux. Parce que c'est bon. Pour tout le temps, on gratte pour Dieu, on gratte, c'est bon. Ça suffit. Et Dieu, c'est pas un banque. Tout le temps, on demande, on gratte. Non, c'est bon, ça suffit ça. Vous déjà grattez beaucoup. Moi, c'est bon, maintenant, c'est votre tour, les gens. C'est votre tour. C'est-à-dire, vous grattez, mais votre mission vous fait pas. Vous grattez pour Dieu, mais vous respectez pas l'imam Mahdi, respectez pas Saint-Jean. Hein? C'est ça que j'explique pour vous. Savent maintenant, c'est votre tour. Et maintenant, j'ai arrêté avec vous cette vidéo. On va dire à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et prépare-vous mentalement et physiquement. Et sept mots, je commence à répéter pour toutes mes vidéos. Parce que c'est important, sept mots. Parce que maintenant, il n'y a que la souffrance qui va commencer à s'installer sur terre. Et c'est ça que j'explique pour vous.
Ah oui, les gens. Pour la mission, ça coûte cher. Hein. Ah, la mission, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça, les communautés de Dieu est déjà fait sub et la communauté de Dieu est déjà donc pour des missions. Il n'est pas fait. Pour eux, ça va être pour eux des châtiments spéciaux. Et pour d'autres, encore, ça va être pour eux des châtiments spéciaux. C'est ça que j'explique pour vous. Pour Dieu, il choisit un père, il choisit un communauté. C'est-à-dire la chance pour vous. Et pour la fin, c'est la malheur. Parce que pourquoi? Parce que Dieu a déjà choisi certaines communautés. Dieu a donné pour eux des chances. Et déjà donné pour eux des chances pour rentrer, en paradis. Vous déjà trahissez Dieu. Vous déjà trahissez Dieu. La trahison, ça coûte cher. Pour en trahir Dieu, Dieu est tombé en colère. Après, Dieu l'a encapitché pour nous. Et ça, j'explique pourquoi. Prépare-vous mentalement et physiquement, on va dire. À la prochaine vidéo. Salam alaikum.